Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Diablo. Alors je sais, vous attendiez tous une vidéo sur la prophétie de Diablo 4. Mais non, c'est une vidéo sur la prophétie de Diablo 3. Donc je sais pas exactement comment va être reçue cette vidéo. Parce que vous dites, mais pas les couilles en fait, on s'en fout. C'est long, c'est vieux Diablo 3 maintenant. Eh bien sachez que j'ai toujours eu des petits trucs. Enfin, déjà premièrement, sachez que je déteste les prophéties. Vous allez me dire, bah pourquoi tu fais une vidéo dessus? En fait, souvent les prophéties, je trouve que c'est un stigmate d'une mauvaise écriture de scénariste qui est un excellent outil pour les scénaristes pour pouvoir avancer, développer une extension ou un opus, une série, un script, etc. Mais en fait, je trouve que pour le lecteur, le viewer, etc., le joueur, c'est souvent très naze, c'est cousu de fil blanc, ça nous permet en fait d'avoir des éléments anciens qui se passent exactement comme prévu, tout ça, ou alors c'est encore pire, c'est une prophétie très cryptique en mode c'est interprétable de toutes les façons possibles, et donc souvent en fait les prophéties je trouve que c'est une facilité scénaristique accablante qui montre un niveau d'écriture pas terrible, donc j'ai du mal avec les prophéties, c'est souvent de la merde. Et donc j'ai beaucoup beaucoup de mal. Il y a des contre-exemples évidemment de prophéties qui peuvent être super intéressantes, mais très souvent malheureusement la prophétie, enfin je trouve que c'est un piège dans lequel les scénaristes tombent souvent. Le côté oh, la prophétie dit que machin, oh, si elle dit ça, bah, c'est bon, tout va bien. Et donc j'ai souvent beaucoup de mal avec les prophéties. si vous regardez mes lives, je pense que je vous en parle souvent pour Warcraft. Et par exemple, bah, la prophétie de Diablo 4, c'est clair que comme celle de Diablo 3, c'est facile, ça permet d'avoir plein d'éléments, et en fait tout le monde connaît la prophétie, donc c'est bon en fait, on sait machin. Donc ça, je trouve que c'est un peu faible en termes d'écriture. Le truc, c'est que celle de Diablo 3, eh bien, elle est très facile à décortiquer, et c'est pas un truc ultra compliqué, très cryptique. Celle de Diablo 4 l'est un peu plus, par exemple. Après, ce qui est bien aussi, parce que ça permet d'avoir un peu plus d'interprétation, tout ça, mais à la fin, bah, on n'a pas de réponse claire. Celle de Diablo 3 semblait cryptique. Elle m'a toujours semblé cryptique quand j'ai joué à Diablo 3. Puis ensuite, avec Reaper of Souls et les éléments que je vais apporter dans cette vidéo, eh bien, en fait, elle me semble beaucoup plus facile à décortiquer que d'autres prophéties. Alors, j'aime toujours pas le délire, hein, mais ça me semble super important parce qu'en fait, la prophétie de Diablo 3, c'est surtout un moyen pour moi aussi de vous parler d'un projet d'extension avorté pour Diablo 3. Quelque chose qui pourrait être éventuellement réutilisé plus tard dans Diablo 4, vu que ça n'est jamais sorti dans Diablo 3. Donc, parlons-en. Prophétie de Descartes Kane de la fin des temps. Je vais vous la lire, hein, c'est dans le livre de Descartes. Comme ça, alors il faut faire attention aussi, toujours vérifier la VO parce que bah, malheureusement le moindre sens peut changer. Mais là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Donc à la fin des temps, la sagesse s'effacera. Alors sachez que c'est fait en ligne. Malheureusement, j'ai pas trouvé, j'aurais bien aimé vous mettre directement l'image. Mais c'est fait en ligne comme ça. Et malheureusement, eh bien, j'ai pas trouvé d'image. Et je me suis dit, bon, ma qualité de téléphone n'est pas terrible, donc j'ai pas fait de photos directement. Donc à la fin des temps, la sagesse s'effacera. Nouvelle ligne. Devant la justice, alors au passage sagesse avec une majuscule et justice avec une majuscule. La justice qui sera rendue sur le monde des hommes, justice avec une majuscule. La bravoure laissera place à la colère. Bravoure en majuscule, colère en majuscule. Donc bravoure majuscule, colère majuscule. Et le désespoir engloutira l'espoir. Désespoir avec une majuscule, espoir avec une majuscule. Nouvelle ligne, la mort recouvrira alors tout de ses ailes. Mort avec une majuscule. Et le destin sera brisé à jamais, destin avec une majuscule. Alors, dit comme ça, qu'est-ce que cela pourrait entendre? Eh bien, la sagesse qui s'effacera, ça c'est pas quelque chose de très cryptique, hein, la sagesse qui s'effacera, c'est tout simplement Maltael qui se barre entre Diablo 2 et Diablo 3, il se barre. Et je rappelle que c'est l'aspect de la sagesse, Maltael, donc la sagesse avec une majuscule. Mais il y a aussi donc, parce que c'est au final c'est une ligne qui est la première, en fait c'est une double ligne, après c'est des lignes indépendantes, mais ça c'est une double ligne, c'est à la fin des temps, donc fin des temps en majuscule, fin et temps, l'apocalypse, la sagesse s'effacera, fin des temps je vous rappelle que c'est Diablo 3 d'ailleurs, sagesse s'effacera, donc Maltael se barre, devant la justice qui sera rendue sur le monde des hommes, donc la sagesse s'effacera devant la justice. Je vous rappelle que la sagesse se barre, donc Maltael se barre des cieux, pendant Diablo 3, enfin entre Diablo 2 et Diablo 3. Ensuite, finalement, comme je l'ai dit, il va s'effacer aussi puisque Tyrael deviendra le nouvel aspect de la justice à la fin de Diablo 3. Diablo 3 tout court, hein, pas l'extension. Donc,
c'est doublement véridique au final. Nous avons ensuite l'acte 1 avec le premier signe, la justice qui tombe du ciel et s'abat sur Sanctuaire. Hein, le premier signe qui est évoqué dans la cinématique d'intro de Diablo 3 avec Deckard Cain qui dit bah, justement c'est le premier signe qui tombe des cieux. La justice, finalement on sait que c'est bah, la comète qui tombe, c'est Tyrael. La justice sera rendue sur le monde des hommes. L'ange en plus qui intervient directement pour équilibrer l'intervention démoniaque, je rappelle que la justice, le principe, c'est la balance, l'équilibre, et les démons déséquilibrent la situation sur Sanctuaire, d'où l'intervention de Tyrael, qui n'est... Enfin, les anges d'ailleurs ne sont pas d'accord, parce que Tyrael veut intervenir pour l'humanité, pour ramener l'équilibre et donc la justice, là où Imperius et les autres anges ne sont pas d'accord. Donc, au final, il intervient, la justice sera rendue sur le monde des hommes, vous le voyez à ce niveau-là. Donc là-dessus, c'est vraiment pas cryptique, hein, justice avec une majuscule, Tyrael qui fonce sur le monde des hommes. Bon, peut-être que ce qui est un peu plus contestable, c'est la fin de l'interprétation avec l'intervention et le besoin d'équilibre sur le, par rapport à l'invasion démoniaque, mais en soi, ça va. Alors ensuite, on a donc la bravoure laissera place à la colère. Alors je sais que bravoure, c'est valeur en anglais, valeur est traduit différemment. La vaillance, la bravoure, la vaillance martiale, etc. Les prouesses martiales. Donc Imperius qui va passer de vaillance, bravoure à colère. Ça, c'est le cas pendant tout Diablo 3 au final. Hein. Vous avez vu énormément en colère. Sachant qu'on le voit en colère où il intervient pour la première fois directement opposé à Tyrael dans le flashback que Tyrael amène après être tombé du ciel, on voit la cinématique où Tyrael qui révèle sa véritable identité en tant qu'humain, il se rappelle de ce qui s'est passé et il nous donne le flashback où on voit Imperius très en colère contre Tyrael, mais surtout le moment où on voit vraiment la colère d'Imperius, c'est devant la cinématique de début de l'acte 4 où il va dans les cieux, Diablo va arriver en tant qu'avatar de Tatamet et va avec les 7 dans son essence et il va, 7 seigneurs des enfers, et il va attaquer les cieux. Imperius intervient tout seul, solo, sans armée, et il va se battre contre Diablo. Là, ça fait vraiment la colère absolue, et finalement, eh ben, il va perdre d'ailleurs. Il va perdre. Ensuite, nous avons l'espoir dévoré par le désespoir. Ça, c'est très intéressant, puisque désespoir engloutira l'espoir. Eh bien, nous avons ça dans l'acte 4 de Diablo, justement, avec le désespoir, une majuscule, le seigneur démon Rakanos, ou Rakanoth, qui est un lieutenant d'Andariel et qui va se battre pour Diablo à la fin de Diablo 3, et qui va retenir captive Auriel, l'aspect de l'espoir. Donc ça c'est intéressant, et le joueur, le Néphalem, devra aller libérer Auriel. Donc on a encore une fois quelque chose qui est facile à interpréter, il n'y a pas de place à l'erreur, je dirais. Nous avons ensuite la mort recouvrira alors tout de ses ailes. Je pense que c'est celle où j'ai le moins de choses à dire, hein. Reaper of Soul, première extension de Diablo 3, Maltael revient, il devient l'aspect de la mort, il revient avec tous ses faucheurs pour détruire l'humanité, qu'il juge être les démons, tout ça, vidéo sur Reaper of Souls. Et derrière, la ligne supplémentaire, c'est « Et le destin sera brisé à jamais ». Et je veux dire, l'ordre chronologique, pour le moment, était plutôt respecté. Je veux dire, fin des temps, sagesse s'effacera, ok, Maltael qui s'est barré. Justice qui sera rendue sur le monde des hommes, c'est l'acte 1 de Diablo. Parce que si sagesse, c'est entre Diablo 2 et Diablo 3, justice, c'est acte 1. Bravoure laissera place à la colère, c'est dans le flashback de la fin de l'acte 1, mais aussi dans le début de l'acte 4. Désespoir engloutira l'espoir, ça c'est pendant l'acte 4. La mort recouvrira alors toutes ses ailes, c'est l'acte 5, à savoir Reaper of Souls. Et le destin sera brisé à jamais. Alors, j'ai toujours cru un truc. Je me suis toujours dit, le destin brisé, ça fait référence en fait à l'acte 4 de Diablo 3 où Itérael dit que le rouleau de la destinée, le parchemin de la destinée, eh bien il ne peut pas lire l'avenir des humains puisque les humains ne sont pas prévus dans la création. C'est quelque chose qui est sorti de la création telle que l'a voulu à nous, hein, le créateur. Et donc lui, il ne connaît que le destin des démons et des anges. Il ne connaît pas celui des humains. Donc moi, je me suis toujours dit, bah, c'est ça, en fait, la première interprétation. Mais là-dessus, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus cryptique. Donc, il ne pouvait pas voir l'avenir des humains, et c'est pour ça que la destinée est brisée, entre guillemets, puisque les humains ont changé ce qui devait se passer dans le rouleau de la destinée, à savoir la victoire finale des démons contre les cieux. Sauf que, pourquoi elle est en dernière ligne? Je pense que vous comprenez où je vais en venir. Parce que
Pourquoi en dernier? Ça aurait dû être avant. Avant, limite, entre la mort et le désespoir. Le désespoir engloutira l'espoir, destin sera brisé à jamais, et la mort recouvrira alors tout de ses ailes. Et là, on aurait un truc normal par rapport à l'ordre chronologique. Mais non! Destin sera brisé à jamais se passe après la mort recouvrira alors toutes ses ailes. Et donc, pour moi, eh bien, je sais pas, récemment j'ai fait tilt. Je me suis dit, mais attendez, c'est vrai, il y a eu des. Alors, je vais vous donner pas mal de sources dans les commentaires. Malheureusement, je n'ai pas celle-ci. Si jamais quelqu'un l'a, je suis prêt à la rajouter dans les commentaires. Mais je me rappelle d'une interview qui était super intéressante, qui évoquait le fait que Diablo 3 aurait dû avoir deux extensions. Et que, alors pour la tester en plus de ça, on a de nombreux artworks non utilisés, Scovos et autres, et surtout bah, des témoignages internes qui évoquaient le fait que Diablo 3 aurait dû avoir deux extensions, mais la deuxième extension a été annulée par les directeurs de chez Blizzard parce que y a eu un manque. D'ailleurs, certains devs de Diablo 3 avaient considéré que on avait manqué de courage du côté des directeurs de chez Blizzard parce que, eh bien, le mauvais accueil de Diablo 3 avait refroidi la direction et finalement, eh bien, ils ont avorté la deuxième extension. Alors que Reaper of Souls a plutôt été très très bien accueilli et est considéré comme vraiment le début de Diablo 3 pour beaucoup, puisque c'est vraiment le moment où on aura corrigé pas mal de problèmes de Diablo 3. Donc, la mauvaise réception de Diablo 3 a avorté cette deuxième extension, avec finalement une petite équipe qui va rester là en maintenance sur Diablo 3, pendant que le reste va partir sur le gros projet de la licence Diablo, Diablo 4, qui va être mise en branle milieu des années 2010 hein, au final. Donc au final, eh bien après Reaper of Souls, on va avoir plusieurs patchs, gros patchs, qui vont amener du contenu gratuit, notamment la 2.3, la 2.3 qui amène les ruines de Secheron et le cube de Kanaï. Secheron, je vous rappelle, c'est la capitale des barbares détruite dans la cinématique de Diablo 2 face à Baal. Et dans la 2.4, on a le Valgris qui est une nouvelle zone également qui arrive. Mais c'est pas terminé. Parce que nous avons, eh bien, ça on le sait que dans les interviews justement qui ont été données par des internes de chez Blizzard, qu'au final, le contenu de cette extension avortée serait arrivé de manière gratuite par la suite, en fait. Et donc là, on a déjà deux zones nouvelles, etc. C'est pas mal. Le cube de Kanaï qui semble être grosse feature d'extension, j'ai envie de dire. Mais surtout, c'est la très grosse mage, la mise à jour 2.6, qui amène énormément de choses. On a des nouveaux monstres, avec toute une famille de nouveaux monstres, etc. Plein, plein, plein de nouvelles bestioles, notamment des lycanthropes, donc des loups-garous. On a pas mal de bestioles. Trois nouvelles zones, à savoir les Landes Embrumées, le Temple des Premiers-Nés et les Réalités du Destin, donc les Royaumes du Destin. Avec faille probatoire, un nouveau mode de jeu, etc. Faille probatoire qui est très appréciée d'ailleurs. Et ce genre de nouveautés. Je veux dire, des nouveaux monstres, des nouvelles zones, des nouveaux modes de jeu avec des features de gameplay, c'était arrivé avec Reaper of Souls, une nouvelle extension. Je veux dire, des nouveaux monstres, toute une famille de nouveaux monstres avec trois zones, sachant que là j'ai mis trois zones avec la 2.6, mais si on met tout depuis la 2.3, ça nous fait au moins 5 zones. Ça fait beaucoup quand même, hein, ça fait beaucoup. Je veux dire, ce genre de truc, ça arrive rarement. À la limite, une nouvelle zone, pourquoi pas. Là, 5 nouvelles zones, ça fait beaucoup. Donc tout ça, eh bien. Par rapport à l'interview, ça semble effectivement indiquer qu'on a le contenu de la deuxième extension qui, en finale, a été mis en jeu, sachant qu'on sait que, ils avaient déjà commencé à bosser sur la deuxième extension et que finalement, bah, le projet a été avorté, a été annulé par la direction de chez Blizzard. Donc, et j'en profite pour rappeler que c'est bien la direction de chez Blizzard et pas Activision, hein. Ah, pour les théories du complot, tout ça, tout ça. Mais au final, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que on a ce cas de figure où on a plein de nouvelles. Alors, potentiellement aussi, il y avait peut-être d'autres zones qui n'ont jamais pu arriver dans Diablo 3, vu que le projet a été annulé en cours. Et l'équipe de maintenance a probablement finalisé le truc pour pouvoir sortir ce qui avait déjà été travaillé dans Diablo 3. Mais il y a probablement d'autres zones, d'autres arcs, d'autres trucs qui n'ont jamais pu voir le jour, notamment aussi des cinématiques et des musiques. Au final, la 6.0 va amener aussi l'un des sujets les plus polémiques de Diablo 3 Reaper of Souls, puisque Diablo 3 a eu son lot de polémiques, mais Diablo 3 Reaper of Souls, il y a eu très peu de polémiques. L'une d'elles, c'est bien sûr l'arrivée d'une nouvelle classe payante, à savoir le nécromancien. Alors comme ça, c'est très étrange, je veux dire, la thématique du nécromancien fonctionnait parfaitement avec Reaper of Souls, qui est vraiment l'extension sur la mort, et en plus de ça, si vous avez acheté le nécromancien dans Diablo 3, bah, honnêtement,
Moi, je trouve ça génial parce que le nécromancien, bah déjà en termes de classe, c'est très cool. On a du lore très intéressant sur la nécromancienne, même si on n'a pas son nom. J'en ai parlé dans les vidéos sur le nécromancien. Mais surtout, eh bien, en fait, dans le lore, le moment où vous allez affronter Maltael à Pandémonium, le nécromancien vous donne des infos super importantes pour mieux comprendre comment on arrive à battre Maltael. Donc, sans le nécromancien, c'était quand même compliqué et au final, on sait tout ça. Enfin, genre, c'est des éléments super importants. Le maître Ordan, le maître de la nécromancienne, qui au final bah, est responsable de. Enfin, qui explique comment eh bien, tous les maîtres peuvent nous donner des pouvoirs sur la mort pour vaincre Maltael. C'est quand même le nécromancien qui a fait ça. Donc, c'est vraiment très important. Sachant que toutes les nouvelles extensions ont amené leur lot de nouvelles classes. Reaper of Souls a ramené le croisé. Alors, il y a peut-être des chances que. On sait que le développement de Diablo 3 a connu des hauts et des bas, comme beaucoup de jeux, bien sûr. Mais possible que, en fait, le nécromancien aurait dû arriver avec Reaper of Souls et le croisé avec l'extension d'après. Mais peut-être qu'il y a eu inversion. Le nécro n'était pas encore finalisé. Donc, on a mis priorité au croisé. On sait pas. Là-dessus, c'est, j'en sais rien. C'est conjoncture personnelle. Mais nécromancien qui arrive donc. Je veux dire, il y a le croisé dans Reaper of Souls pour Diablo 3, et rappelez-vous, bah, l'extension Lord of Destruction Diablo 2, c'est celle qui amène les nouvelles classes. La licence Diablo, alors il peut y avoir bien sûr entorse à ce pattern, à cette espèce de règle tacite, mais au final, les nouvelles classes sont arrivées avec des nouvelles extensions dans la licence Diablo. Donc c'est la première fois qu'on a un DLC, véritablement un DLC, pas une extension, qui se pointe comme ça, 15 euros, boum, achète le truc. Et en fait, moi ça me rappelle beaucoup le contenu qui arrive sur les Total War Warhammer par exemple, où en fait, eh bien, on a un DLC payant qui amène dans son giron du contenu gratuit. Et en fait, ça fait le même truc. C'est-à-dire que pour 15 euros, vous avez le Nécromancien, mais en fait, il y avait énormément de contenu gratuit qui arrivait en parallèle. Sauf que, bien sûr, on se dit, bah, on achète 15 euros, c'est que le Nécromancien, pas le contenu gratuit qui arrive après. Et en fait, bah, il y a de grandes chances que ça, c'est un changement en mode, il faut bien financer tous les développeurs qui restent sur Diablo 3. Et donc, eh bien, au lieu de sortir gratuitement le Nécromancien, on le fait payant. En plus, on en profite un petit peu. Mais c'est du coût de développement, donc il faut le faire payer. Et donc, en gros, bah, techniquement, le Nécromancien n'aurait pas été payant en DLC, puisqu'il serait sorti en extension directement. Et là, ça aurait probablement fait moins gueuler les joueurs. Donc, en fait, peut-être que ça semble être le reliquat, justement, aussi, de cette extension annulée. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que quelque chose qui arrive et qui est très important dans cette 2.6, c'est les royaumes du destin, les Realms of Fate, qui la nouveauté qui passe un petit peu inaperçue hein, de la 6.0, c'est les missions d'Itherael. Itherael qui est le destin, l'aspect du destin chez les anges, qui voit justement eh bien, qui est très soucieux de ce qui se passe parce qu'il y a des problèmes, des anomalies qui apparaissent sur Sanctuaire et dans les cieux, qui commencent à assombrir les cieux justement. Et donc, eh bien, il faut l'aider à corriger le tir. Ça fait très mission du vol de bronze de World of Warcraft. L'idée, c'est qu'il y a des trucs qui ne devraient pas arriver, des trucs comme ça, et donc on doit remonter un peu dans l'histoire, on doit refaire des points pour essayer de corriger le destin tel qu'il aurait dû se passer, tout ça, tout ça. Après, j'ai pas exactement tout ça parce que moi, c'est du contenu que j'ai pas vraiment fait. Mais globalement, c'est du contenu lié à Itherael et au destin. Et là, si on commence à mettre toutes les pièces du puzzle et qu'on les assemble, vous voyez le délire. Beaucoup de quêtes vis-à-vis du destin, des endroits importants. On a une nouvelle classe, on a au moins 5 nouvelles zones, on a des nouveaux monstres. C'est tout ça, c'est l'essence d'une extension. Et donc, en fait, eh bien, cette prophétie, elle nous annonce en fait la dernière extension. Le destin sera brisé à jamais. C'est un arc qui aurait dû arriver dans la deuxième extension de Diablo 3. Alors là, effectivement, je peux pas répondre de manière uniforme, puisque bah, le truc c'est que on a qu'un bout de l'arc scénaristique sans sa conclusion. Il y aurait probablement eu des cinématiques, deux CGI au moins, une en intro, une en conclusion comme Reaper of Souls. Reaper of Souls n'a pas une conclusion en CGI d'ailleurs, donc juste au moins l'introduction, mais la conclusion derrière. Donc le destin sera brisé à jamais. Est-ce que c'est un arc annulé de Diablo 3, ça c'est sûr. Est-ce que cet arc sera réutilisé, vu qu'il a l'air quand même d'avoir été bien bétonné? Est-ce qu'il sera réutilisé dans une future extension de Diablo 4? Je pense que oui, surtout que ça concerne le statut des cieux. Donc je pense pas que les cieux vont revenir tout de suite dans Diablo 4, mais à un moment donné ils vont revenir. Et on sait que au final, Lorasnar nous a parlé de Tyrael qui est parti loin d'une mission qui le concerne, etc. Est-ce que c'est pas lui en fait qui joue à Realms of Fate et qui nous sort justement, qui s'intéresse. Enfin, soit il est intrigué par d'autres choses liées aux démons, soit c'est par rapport aux cieux et aux anges. Donc, qu'est-ce que sous-entend le destin sera brisé à jamais?
Est-ce que c'est Itérael qui aurait été tué? Possible. Ou alors, personnellement, c'est la théorie que je pense la plus probable, c'est surtout que le rouleau de la destinée, hein, l'artefact, on a Eldruin pour Tyrael l'épée, chaque archange du Conseil Zangiris a un artefact très puissant. Imperius, c'est Solarion, sa lance. Eh bien, Itérael a le rouleau de la destinée. Est-ce que. Alors, j'ai oublié son nom, mais c'est le rouleau de la destinée. Et au final, est-ce que c'est pas ce rouleau qui aurait été détruit pour éviter justement ces anomalies temporelles, tout ça? Et donc, eh bien, on aurait perdu le contrôle sur le destin, et donc le destin serait brisé à jamais, puisque Itérael ne pourrait plus utiliser le rouleau de la destinée, vu qu'il serait détruit, sacrifié, pour ramener l'ordre. Donc, ça, personnellement, c'est la deuxième solution que je pense être la plus logique, mais la mort d'Itérael pouvait aussi très bien fonctionner. Et donc, eh bien, ça aurait donné probablement plus d'infos sur la situation du Néphalem, probablement plus d'infos aussi sur ce qui se passe dans les cieux. On aurait développé l'archange le plus énigmatique et le plus mystérieux du Conseil Zangiris, à savoir Itérael, qui était vachement en retrait. Donc, sachant qu'il y avait dans la zone aussi le temple des premiers-nés, donc probablement des infos aussi, peut-être sur Rathma, justement, vis-à-vis du nécromancien. Puisque le nécromancien arrivait, c'est peut-être le seul point vis-à-vis du nécromancien en termes de thématique. Mais bon, le temple du premier-né, des premiers-nés, c'est des trucs Néphalem, hein, globalement. Donc, au final, eh bien, cette deuxième extension, c'est pas juste, c'était un peu quelque chose de brouillon, mystérieux. Au final, eh bien, si on lit le lore justement de la prophétie de la fin des temps, avec tout ce qu'on sait en éléments de gameplay et autres de l'extension annulée de Diablo 3 et tout le contenu qui est arrivé gratuitement dans Reaper of Souls, après le patch 2.3, eh bien, au final, tout ça nous met les éléments, les features de gameplay, la nouvelle classe, les nouvelles zones, une partie des nouvelles zones, un arc scénaristique. Et au final, eh bien, on a une vision beaucoup plus claire de cette extension annulée de Diablo 3. Et vu que c'est annulé et connaissant Blizzard, il y a de grandes chances que tous ces morceaux-là soient réutilisés pour Diablo 4, d'où l'importance de faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai toutes les sources vis-à-vis des patchs dans la description. Il me manque juste l'interview. C'était une interview qu'on avait beaucoup vue circuler à une époque, qui parlait de la direction de Blizzard à une époque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. J'en profite évidemment pour remercier Jujip qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé sans le vouloir directement grâce à toutes ses sources, puisqu'il garde tous les patchs, etc., toutes les infos sur le site. Ça se trouve, il y a même l'interview que je recherche en question, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé facilement. En tout cas, voilà, merci à lui de garder tout ça toujours disponible, qui nous permet de faire ce genre de travail et de vidéos. Merci!